Alors, il faut que tu saches, mon cher Jeannot, que Madénian, il est de Perpignan. Aïe, 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 catalan. Donc, exact. Le SAP, il connaît. Mazo, il connaît. Je connais un petit peu. Comment ça va? En pleine forme. Je suis ravi d'être... Comment ça va? C'est même pas la peine de me draguer, je te le dis direct. Je vois ton regard depuis le début. Je suis pas un mec facile, je te l'ai déjà dit. Alors... Non, alors. Mais c'est vrai, depuis le début, Mathieu, laisse-moi ma chance. Laisse tomber. Actuellement, je suis avec quelqu'un. Hein, Jean-Pierre, on peut en parler. Et... s'en fout complètement, Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on dit au président de la fédération? Je suis ravi de vous rencontrer, parce que je savais pas qui vous étiez. C'est pas méchant, hein, parce que je savais pas... Alors, pour être sûr que vous êtes vraiment le président de la fédération française, je vais vous poser une question pour un expert en tennis. Vous êtes prêt à répondre? En quelle année Henri Lecomte n'a-t-il pas gagné Roland-Garros? Alors... C'est pas évident. C'est, c'est ça, tout il a gagné. C'est bien lui, d'accord, ok. Non, mais j'aime bien le tennis. Je vous ai dit, moi, j'ai vu cet après-midi, on a fait quoi? C'était une émission spéciale tennis. On a parlé de tous les exploits des tennismans français, ouais. De tous les titres qu'ils avaient gagnés. Putain, l'émission, elle devait être courte, hein, sans déconner. Non, j'espère que vous avez comblé avec Chico et le Gypsy, parce que sinon, ça devait faire 20 minutes, le truc. Hein. Non, mais c'est vrai. On va le faire revenir. On va le faire revenir. Non mais. Et vous lui demandez rien au président? Ah ouais, il me faudrait 5 places pour la finale, c'est possible ou pas? Mais je vends un paquet de 10. Et 10 veux, alors et, je prends 10 et, places. Et qui veut des places pour la finale de Roland Garros? Non. Et Mathieu. Oui, il m'en faudra Mathieu, plus que 10. Tu as des exigences? Tu veux être placé alors, où? Je vais être placé entre Jean-Paul Belmondo et son York, c'est possible ou pas? Pas de problème. D'accord, c'est cool. Voilà. Arrête, sérieux, c'est chiant. Non mais. Laisse-moi bosser, putain. Alors. Non mais c'est le physique. Et tu connais pas ça, Claude. Non mais c'est vrai, nous en France, regardez, monsieur Gachassin, on est champion du monde. On est champion du monde à la pétanque, au ping-pong et au tir à l'arc. Que des sports de camping. Sérieux, alors les Espagnols, peut-être qu'ils nous battent au tennis ou au football, mais en aquagym et en danse-village, on les défonce. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, je vous dédie bon, ce journal allez, du pire. Le pire de la semaine. Le pire de la semaine, c'est le parti. Le pire président de la semaine. C'est François Hollande qui a été investi cette semaine, on a vu. Alors, il est arrivé à l'Elysée, le pauvre. Même lui, il savait pas ce qu'il foutait là. Il est arrivé avec sa mèche. Sérieux, on aurait dit un mec qui arrive à une soirée où il n'était pas invité. C'est vrai. Il était là, oui, s'il vous plaît. Il a serré beaucoup de mains. Ouais, sérieux. Alors, par contre, il a fait l'état des lieux, puisqu'il va remplacer Sarkozy, l'état des lieux de l'Elysée. Alors, j'ai l'état des lieux ici. La moquette est abîmée. La cuisine est à refaire. La salle de bain est à rafraîchir. Et la France est au bord de la ruine. Voilà. À mon avis, Sarkozy, il n'est pas prêt de voir sa caution. Voilà. Est-ce qu'on peut... Alors... Il y a une photo du nouveau président qui vous a intéressé. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, juste. C'est pas un montage, hein. C'est pas un montage. Mesdames et messieurs, cet homme a les codes de l'arme nucléaire. Ça me fait flipper. Elle est drôle, cette photo, hein. Merveilleuse. La pire compagnie aérienne de la semaine. C'est Air France, la pire compagnie aérienne de la semaine, c'est Air France. Alors Air France, vous savez, ils ont un petit peu la réputation de perdre les bagages, mais ils les retrouvent. Moi, ils m'ont retrouvé un bagage il y a une semaine. Bon, ouais. Je ne pouvais plus mettre les vêtements parce que j'ai grandi depuis la maternelle. Mais alors, ils vont équiper chaque bagage d'étiquettes électroniques. Voilà. Alors l'expérience aura lieu à la rentrée parce qu'ils ont perdu la valise où il y avait les étiquettes électroniques. Donc, ça sera en septembre. Voilà. Le pire homme politique de la semaine. Michel Rocard. Michel Rocard, alors depuis 2009, il a un poste assez intéressant puisqu'il est ambassadeur itinérant de la France chargé des négociations sur les pôles Arctique et Antarctique. Oui. En gros, si tu as des questions sur les pingouins et les icebergs, c'est lui le spécialiste. Et cette semaine, il est allé où pour parler des icebergs? En Iran. Voilà. Apparemment, Air France, ils perdent pas que les bagages. Alors, si... Air France... Il faudrait nous ramener Michel Rocard. Alors je vous donne l'adresse. Pour l'envoyer Parti Socialiste, 10 rue de Solferino, Paris. Il faut le ramener vite. Là. Le pire anniversaire de la semaine, Mathieu. C'est les 52 ans de la pilule contraceptive. C'était oui. Mardi. 52 ans de la pilule. Alors voilà. Alors mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont plus de 52 ans. Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas été désiré par vos parents. Voilà. Et quelle est la pire reconversion de la semaine? C'est Éric Besson. Éric Besson. C'est, vous saviez, alors Éric Besson, il était socialiste, et après il est devenu UMP, voilà, quand Sarkozy a gagné. Alors là, il veut arrêter la politique, il veut investir dans la Ligue 1. Alors, je m'adresse au futur joueur d'Éric Besson. Si à la mi-temps, votre équipe perd, méfiez-vous, Éric Besson risque d'aller dans l'autre équipe. Voilà, je préviens les joueurs. Je préviens les joueurs. La pire blonde de la semaine. C'est Laurie. Qu'est-ce qu'elle a déclaré, Laurie? Je mets ma carrière entre parenthèses car je vais essayer de faire un bébé. Apparemment, ça fait 10 ans qu'elle essaie de faire un bébé.
Ça, c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Le pire fait d'hiver de la semaine. Le pire fait d'hiver de la semaine, c'est un homme qui a pris la foudre. Et regardez où il a pris la foudre, c'est pas des conneries, ça s'invente pas, c'est un mec de Madrid de 53 ans, il a pris sur les testicules. Voilà, même DSK, il a pas réussi un truc comme ça. Et attendez, il a pris la foudre sur ses testicules, sa femme aurait déclaré, c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Voilà. Qui va recevoir le courrier? C'est moi encore. J'ai dit bite. C'est limite, pas un dimanche. C'est limite, pas un dimanche. Voilà. La pire manif de la semaine. La pire manif de la semaine, c'était... Oui, alors c'était beau, c'est une manif d'aveugles pour sensibiliser sur les problèmes d'accès sur leurs chiens dans les lieux publics et les transports. Alors, ils étaient nombreux, 1000 selon la police, et selon les organisateurs, ben, ils ne savaient pas. Parce que, bon, bref. Et, alors, c'est une... Alors, c'est une manif. T'as honte, hein. Va une... jusqu'au bout. T'as c'est... honte. Non, mais rigolez pas. Jusqu'au bout. C'est une réussite, cette manif, puisque dans Le Parisien, il y a marqué « La manif a commencé à Nation et elle s'est terminée à Bastille, pour certains à République. Il y en a même qui sont arrivés à Concorde et il y en a un qui est très énervé, il est à Orléans actuellement. » Voilà. Alors, je te signale que ça fait beaucoup marrer l'équipe de Clash. Mais notre ami Gilbert Montagny, qui nous écoute, doit beaucoup rire. C'est tout ce qu'il aime. Bien sûr. Bon, c'était ta dernière chronique. Mathieu Madénian. Oui.